Comment je suis stressée. Salam alaikum à toutes, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas par où commencer cette vidéo aujourd'hui. Une vidéo très particulière. D'ailleurs, je suis stressée, je ne tiens plus en place. C'est un mélange d'émotions. Je suis stressée, je suis fatiguée, mais je suis hyper contente, excitée. Quoi vous dire, c'est très mélangé. J'ai déjà, en filmant cette vidéo, là j'ai la boule au ventre. J'ai vraiment une boule au ventre. Faut que je respire. Je vais y arriver. Sans trop tarder, je vais aller dans le vif du sujet. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà, mais pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, j'ai l'honneur de vous annoncer aujourd'hui que je lance ma boutique en ligne pour des vêtements modest fashion, pour des vêtements pour femmes voilées ou pas voilées d'ailleurs, mais qui aiment s'habiller modestement. Voilà, c'est fait. Alors la boutique s'appelle Muslim Queens, comme le nom de ma chaîne. C'est comme si je l'avais déjà imaginé depuis plusieurs années. Pour une première collection, donc je vous propose la collection qui est juste derrière moi là. Et j'ai appelé la collection Istanbul. Donc c'est la collection Istanbul. Donc chaque design, chaque modèle porte un nom d'un monument connu à Istanbul, parce que ça représente quelque chose pour moi. Et c'est de là que vient voilà, tous les articles, tout ce que vous allez voir sur le site, donc tout est made in Turquie. Bon, je reviens pour continuer ce que je disais. Je m'excuse, on a toqué à la porte au moment où il fallait pas. Bref, inch'Allah. Alors je vous explique, parce qu'il y en a pas mal qui m'ont posé la question sur Instagram, sur d'où vient l'idée de créer sa boutique en ligne de Modest Fashion. Donc déjà l'idée vient, premièrement, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, mais voilà, il y a beaucoup de causes. Mais la première des choses, c'est que je suis une femme voilée, qui aime bien s'habiller, j'aime beaucoup la Modest Fashion. Et je me suis dit pourquoi pas proposer sur une boutique en ligne des modèles pour femmes voilées ou pas d'ailleurs, des habits modestes qui soient élégants, qui soient chic, qui soient stylés, qui soient confortables et qui soient à prix raisonnable en même temps. Voilà, donc pourquoi pas, voilà, concocter de très belles pièces pour les femmes qui me ressemblent, qui sont comme moi, voilà. Et voilà, je me suis dit que peut-être que ma boutique ferait le bonheur de beaucoup de femmes qui me ressemblent. Donc ça, c'est de 1. Et puis de 2, je me suis dit aussi que le domaine, donc le marché de la Modest Fashion ici en Europe, c'est en pleine expansion. Donc c'est le moment ou jamais pour le faire. Et le troisième point, c'est que je cherchais une continuité après YouTube et les réseaux sociaux. Donc c'est bien, voilà, de faire des vidéos, etc. Mais après, il faut atterrir quelque part, quoi. J'ai fait ça pendant des années, j'ai une solide communauté, mashallah, qui me suit. Voilà, je me dirige vers où après? Donc il fallait vraiment une continuité, un projet qui me permet de m'épanouir. Et aussi en tant que maman qui a sacrifié des années pour... voilà, on va dire que mon premier investissement, c'était mes enfants. Je voulais d'abord me consacrer à l'éducation de mes enfants, surtout quand ils sont en bas âge, etc. Mais à un moment donné, maintenant qu'elles sont un peu plus autonomes, que l'une va à l'école et l'autre va à la crèche, Nour d'ailleurs, elle va commencer l'école en janvier, Inch'Allah. Donc je me suis dit, bah, il faut que je fasse quelque chose pour moi-même. Ou voilà, pour ma propre satisfaction personnelle, pour que... voilà, quelque chose pour moi, qui me concerne, qui ne me regarde que moi, voilà. Deux autres points. Il y a aussi le côté tout ce qui se passe en Europe concernant le voile, l'islamophobie, etc. Donc je voulais prouver à certaines, parce que je reçois pas mal de questions sur le racisme, est-ce que ça m'a bloqué pour travailler, etc. Et j'ai toujours répondu à la question du style j'ai rarement vécu des circonstances dans lesquelles je me suis sentie je sais pas, marginalisée, ou j'ai senti du racisme ou quoi que ce soit. J'ai jamais cherché du travail concrètement, voilà, aller travailler chez un employeur de 9 à 5. J'ai toujours pensé que ce n'était pas des jobs faits pour moi. Donc j'ai toujours eu cet esprit un peu côté entrepreneur, etc. Et je voulais faire mon propre business. Donc voilà, c'est comme ça. Et je voulais surtout prouver aux filles qui sont musulmanes et qui portent le voile que j'avais envie de leur passer un message, pas prouver quelque chose, mais juste
passer un message que parfois il y a des choses qu'on voit comme handicap et en réalité c'est la motivation qui nous pousse à faire de belles choses, tout simplement. Moi, mon voile, je ne le vois pas comme un obstacle, je ne me vois pas, autant que femme musulmane voilée, je ne me vois pas comme une victime. Au contraire, j'ai l'impression que c'est des choses, ce qui est racisme, islamophobie, etc., c'est des choses qui me poussent à donner le meilleur de moi-même, à défier les circonstances et voilà, à réussir à faire de belles choses, tout simplement. C'était le message que j'avais envie de passer. Et puis, dernière des choses, c'était en fait l'idée c'est venu après un brainstorming que j'ai fait avec mon mari. Voilà, on discutait, on prenait un café au moment du goûter et on s'est dit ok, on va faire un petit brainstorming. J'aime beaucoup l'idée du brainstorming, des réunions comme ça. Donc on discutait et on s'est dit qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ma boutique, pour que ma boutique soit un peu différente. Je veux qu'il y ait un message derrière. Je veux faire quelque chose qui va me motiver le matin à me réveiller et à préparer vos colis. Parce que voilà, c'est bien de vendre et de faire un beau chiffre d'affaires, etc. Mais à un moment donné, on commence à s'enlacer parce que c'est la routine et c'est des choses qui se répètent. C'est un peu comme YouTube. Au départ, on est bien avec les vidéos, mais à un moment donné, après quelques années, on s'enlace et voilà. Mais je voulais faire quelque chose qui représente énormément pour moi, qui s'aligne bien avec mes valeurs. Et voilà, l'idée est venue de créer cette boutique, mais ce ne sera pas uniquement une boutique pour vendre. Je voulais plutôt mettre en avant aussi le côté, on va dire, une boutique à action solidaire, tout simplement. Donc, j'ai décidé de consacrer chaque mois un pourcentage du bénéfice qui sera reversé à des associations qui aident les femmes ou qui œuvrent pour les femmes dans le monde. Il y a plein, je sais qu'il y en a plein des associations. Il y a des associations par exemple qui aident les femmes qui ne peuvent pas se permettre par exemple des serviettes hygiéniques pendant leur menstruation. Ça existe. J'étais choquée, je ne le savais pas avant, mais ça existe vraiment, des femmes qui ne peuvent pas se permettre financièrement d'acheter des serviettes hygiéniques quand elles ont leur menstruation. Donc je trouvais ça triste et je me suis dit si je peux contribuer, grâce à vous bien sûr, si je peux contribuer à faire quelque chose, ça serait pas mal et ça me motiverait le matin à me réveiller avec le sourire et voilà, à préparer vos colis et à vous préparer de très belles collections dans l'avenir, etc. Donc voilà, je tiens à préciser que je tiens à préciser que pour le mois d'octobre, Inch'Allah, puisque c'est le mois où je vais lancer cette boutique, Inch'Allah, si ce n'est pas fait aujourd'hui, donc le mois d'octobre, le bénéfice du mois d'octobre, donc il y aura 10% du bénéfice du mois d'octobre, du chiffre d'affaires du mois d'octobre, qui sera reversé à l'association El Hayet pour la lutte contre le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Donc comme vous savez, c'est octobre rose et... voilà, ça me touche que cette association œuvre pour les femmes qui n'ont pas les moyens pour se faire dépister, qui n'ont pas les moyens au loger le temps du traitement, etc. Donc c'est une association qui se situe en Algérie, au sud de l'Algérie, oui, à Béchar. Et donc, je suis tombée comme par hasard sur leur vidéo, etc., sur Facebook. En fait, c'est une association qui a été créée par une sage-femme, une dame, mashallah. Et voilà, à Béchar, comment c'est ? Les richesses de l'Algérie viennent du sud, mais malheureusement, le sud, c'est toujours... ils sont toujours mis un peu... ils sont toujours oubliés. J'ai pas envie de rentrer dans ces détails. Mais j'ai trouvé que cette association fait vraiment pas mal de choses. Elle est très active sur les réseaux sociaux, etc. Donc je me suis dit, si on peut aider ensemble, toutes la main dans la main, pour œuvrer, pour faire quelque chose, pour aider ces femmes. Donc ils ont un appartement pour loger les femmes qui viennent de très loin, qui font une centaine de kilomètres juste pour se faire dépister, ou pour des séances de chimiothérapie, etc. Ils n'ont pas où aller. Donc ils les logent, ils les nourrissent. Ils les aident pour financer leurs analyses, etc. Donc, si on arrive à faire quelque chose, tant mieux. Voilà. Je vous ai tout dévoilé à propos de ma boutique.
Maintenant, j'ai envie que vous sachiez que c'est un travail que j'ai entamé le mois de janvier. Donc, je travaille dessus depuis le mois de janvier. J'ai réalisé tout le côté administratif, le côté, allez, on va dire gestion financière, administrative, la réalisation du site web. Enfin, tout ça, je l'ai réalisé moi-même. Mais je n'oublie pas les efforts des personnes à côté qui m'entourent, qui m'ont beaucoup beaucoup aidée. Bien sûr, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala que ce projet se concrétise, et c'est aussi grâce à vous, parce que s'il n'y avait pas la communauté Muslim Queens, ben, j'aurais pas pu créer quelque chose pareil. Et puis aussi, c'est grâce à mon mari qui m'a beaucoup aidée, que ce soit financièrement ou que ce soit voilà, il m'a beaucoup aidée en gardant les filles. Depuis le mois de mars, il est à la maison à cause du corona aussi. Il est à la maison, il garde les filles, donc on essaie de faire un bon schedule pour que les deux on puisse travailler en même temps. Et voilà, il m'a aidée aussi. Toutes les photos que vous allez voir, c'est lui qui les a prises. Donc franchement, je le remercie du fond du cœur. Si tu regardes cette vidéo, bah, quoi dire, Rabbi Khalik Liya. Je remercie aussi mes parents. Mes parents qui m'ont beaucoup motivée, qui m'ont aidée mentalement et qui m'ont formée, on va dire, pour affronter la vie. Je remercie ma sœur aussi, parce que c'est grâce à elle aussi que j'ai pu retrouver des fournisseurs en Turquie, qui m'a facilité beaucoup de contacts, parce que comme vous le savez, elle réside en Turquie. Donc voilà, c'est un travail d'équipe, je ne suis pas seule. Et voilà, alhamdoulilah, pour le moment tout est prêt. Reste plus qu'à lancer le site en ligne, il est déjà prêt et tout et tout. Voilà, je vous mettrai en barre d'informations le lien vers ma boutique qui sera disponible en français et en anglais. Je vous mettrai tous les détails. Vous allez tout trouver en fait sur le site, il est complet, tout ce qui est livraison, tout ce qui est moyen de paiement, etc. Et je détaillerai ça aussi sur la nouvelle page Instagram de la boutique, ça s'appelle Muslim Queens Boutique. Donc vous pouvez soit contacter le service clientèle si vous avez des questions concernant la boutique en ligne, ou encore nous envoyer un email grâce au formulaire de contact que vous allez trouver sur le site, ou encore sur l'email que je vais vous mettre aussi en barre d'informations, si, je sais pas moi, si vous avez des questions, si vous voulez savoir où est passée par exemple votre commande, votre colis, peu importe, vous savez, vous comprenez de quoi je parle, un service après-vente, service clientèle. Voilà, voilà, je crois que j'ai fait le tour là. Mais en tout cas, restez branchés sur Instagram, parce que c'est là où je publie le plus tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est information concernant les pays de livraison, etc. Donc voilà, tout sera détaillé. En tout cas, je suis super heureuse de vous faire cette... de vous avoir filmé cette vidéo aujourd'hui. Restez branchés, parce qu'il y aura pas mal de nouveautés. Il y aura beaucoup d'actions dans le futur, Inch'Allah. Donc, comme je vous ai dit, pour le mois d'octobre, ça sera pour le cancer du sein, pour la lutte contre le cancer du sein. Et puis, les mois prochains, ben, on verra par la suite, Inch'Allah. Voilà. Vous êtes ma source de motivation. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.